Les amis, on est à deux doigts de... Oula, oula, qu'est-ce qui se passe? Iros? Je l'ai revu. Tu l'as revu? Oui. Où? Bah, elle a passé, là. Exactement où, ça? Bah, ici, là, devant la fenêtre. Attends, je suis en train de le détecter. Ça m'a fait trop peur. Il est sur le lit. Purée. Il est sur le lit. Attends, il a quel âge? Oula, c'est un grand fantôme. 113 ans. Quoi? 113 ans? Regardez, on voit sa forme juste là. Mais où? Juste au-dessus du lit. Attends, tu l'as vu passer où? Redis-moi. Oui, ici, genre. J'étais sur le canapé, je regardais la fenêtre et là, il est passé comme mais ça. Mais il l'a est... vu physiquement. Oui, je l'ai vu. Une ombre. Ok. Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, là de la plus grande importance, donc on va vous demander de rester au maximum jusqu'à la fin, parce que là c'est assez dingue ce qui est en train de se passer. Regardez, on est en journée, d'ailleurs il neige, on va ouvrir les stores, parce que là c'est bon, on a la preuve définitive. En gros, ce qui s'est passé les amis, c'est que cette nuit, alors que maintenant ça fait peut-être un mois qu'on a déménagé ici, alors il se passe des fois quelques trucs, on entend des bruits, etc. Sauf que là... Lily Rose, elle s'est réveillée en pleine nuit. Alors vas-y, raconte ce que t'as vu. Je me suis réveillée en pleine nuit. Et quand je me suis réveillée, j'ai ouvert les yeux. J'ai vu une énorme ombre juste à côté de moi. Ouais, une énorme ombre. Enfin, mais genre, elle était en train de bouger et tout. Elle faisait des gestes bizarres comme ça. À côté, mais c'était au-dessus de toi. Ouais, au-dessus. En fait, c'était tout. Enfin, et cette ombre, elle avait comme un visage qui se déplaçait ouais. partout. Et là, les amis, direct, elle s'est réveillée. Elle a couru dans ma chambre. Heureusement, moi, je dormais pas. Parce que sinon, je l'aurais pas entendu comme ma chambre est fermée à clé. Et là, quand elle est rentrée dans ma chambre, on a entendu quelqu'un frapper à la porte juste après. Ouais. Et évidemment, il n'y avait personne. Mmh. Donc là, direct, on a lancé une chasse aux fantômes, une enquête paranormale dans toute la maison. Et on pense que la personne qui a frappé à la porte, c'était l'ombre que j'ai vu. Bah on pense que c'est l'ombre, quoi. Et là, en plus, toutes les preuves sont là. Je sais pas si on pourra vous remontrer. Regardez, là, ça va rentrer en calibration, les amis, pour vous prouver tout ça. C'est pas possible. Non, mais c'est horrible, quoi. Il suffit de se tourner... Vers l'endroit, et regardez voilà. Tout pile, juste au-dessus du lit comme par hasard, 178 ans cette fois. C'est un autre. Mais il y en a plusieurs en plus. Ah oui, il y en a plusieurs, regardez sur la carte, il y en a au moins un. C'est incroyable. Bon, et là on a démarré une vidéo parce que... On vient, on va voir dans la maison pour voir s'il y en a d'autres. Non mais attends, on a démarré une vidéo parce que moi j'ai peut-être une astuce. Quoi? Comme vous savez, si vous suivez la chaîne, alors peut-être que vous le savez pas encore, mais la sorcière... Maintenant, notre amie la sorcière a emménagé chez nous. Elle habite chez nous à la cave. On lui a laissé une place dans notre cave pour qu'elle puisse habiter. Comme coup, ça, elle arrête de nous embêter, mais en échange, elle habite chez nous. On pense que c'est elle qui ramène tous les esprits. Non, justement. Non, c'est pas ça le plan. C'est qu'on pense qu'elle, elle peut chasser les fantômes. Oui. Elle peut être contre les fantômes et les chasser d'ici. Ouais. Regardez, bon, petit aparté. On peut aller la voir pour une fois, elle va nous servir à quelque chose. Petit aparté, les amis, regardez chez nous, il neige. Ouais. Voilà, dans le nord de la France, dites-nous si chez vous il a neigé. Combien fois on fait cette vidéo le mercredi 8 mars. Oui. Voilà, dites-nous s'il neige. Allez, viens. Ouais. On va aller voir la sorcière à la cave et on espère qu'elle pourra faire quelque chose pour nous parce que dans cette maison, là où on entend le plus de bruit, c'est vraiment au sous-sol, la nuit, c'est incroyable. Dès qu'on se met dans le garage la nuit, on entend énormément de bruit alors que dans cette pièce-là, on entend presque rien, enfin c'est assez fou. Allez, c'est parti. Sorcière ! Sorcière ! Sorcière ! Viens ! C'est bon. Oh, bah, elle est réveillée. Ah bah pour une fois. Pour une fois qu'elle est réveillée. J'ai entendu un bruit. Chut. T'as entendu? Ouais. Ça venait de par là. Chut. Oh, ça va, c'est la machine à laver. J'ai eu peur aussi. Je me suis dit, il y a comme quelqu'un qui mâche ultra fort. Allez, c'est parti. Sorcière. On a besoin de toi. T'es où? Ah, t'es là. Bonjour, qu'est-ce qui se passe encore? Vous allez bien? On a vraiment besoin de toi là. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'étais en train de faire mon ménage. Tu vas chez nous pour une fois, tu vas nous être utile. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Alors, cette nuit, bah vas-y. Alors, cette nuit. Cette nuit, Lily Rose, cette nuit, je me suis réveillée et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu un fantôme à côté de moi et là, on est en train de. Non, on est à la recherche de tous les fantômes parce qu'on en a vu plein grâce à une application. En fait, on cherche une astuce pour capturer les fantômes. Et. Petite question, est-ce que le fantôme était petit ou c'était un grand? Mais je sais pas, mais il y a un fantôme. Ah non, mais si, regarde, je vais ouvrir l'application là. Tu vas voir, il va y en avoir. Est-ce qu'il va y en avoir ici? Je connais, hein. Regarde, on va te donner un exemple, on va essayer de le chasser. Ouais, d'accord. Oula, l'application elle est. L'application a. Elle a bugué. Elle a bugué. Quoi? Elle a planté. Elle s'est fermée toute seule. Bon, c'est pas. C'est trop bizarre. Bah, c'est pas un problème si l'application s'est fermée toute seule, comment on va faire? Ah, c'est bon. Alors. Oh, les fantômes, je connais, hein. Attendez.
Par là peut-être. Peut-être qu'il y en a ah, c'est bon. Ici, hein. 75 ans. Quoi? Il y en a un d'un âge de 75 ans ici. C'est bon. Bon, la sorcière, il y en a. Il y en a plus. Même dans ta chambre, il y en a. Oula. Bon. Oh. C'est quoi ça? C'est quoi ce bruit? C'est toi qui fais ça? Non, c'est pas moi. Mais c'est le fantôme. Il est là. Mais c'est il faut le capturer. Bon. Non, mais reviens ici. Reviens ici. Mais il va nous capturer. Non, il va pas nous capturer, c'est un fantôme. Oula, oula, vite. Mais venez, c'est pas grave. Vite. J'ai l'habitude ici. Bah, allez, vite. Alors, écoutez, venez voir. Oui. Justement, j'ai une cape pour attraper les fantômes. Okay. T'as une cape pour attraper les fantômes? Oui. Regarde. Merci. Il est là-bas. Il est là-bas. Il est là-bas. Allez, vite. Vas-y, attends. Non, non, mais il est là-bas. Là-bas. Aide-nous à les capturer. J'ai de la chaudière. Voilà. Normalement, regarde, c'est une cape qui est normale. Regarde. Oui. Hein, allez, va le capturer, vite va capturer le fantôme. Alors, là. Mais elle perd. Vite, il est là-bas. Elle perd trop de temps. Ouais. Allez, vite. Regarde. Attends, il faut un souffle magique pour la retenir. Allez. Ouh. Ah, c'est bon, elle l'a capturé. Il est en dessous de la cape. Non. Il faut pas qu'il s'enfuit. Hein. Non. Reste. Retiens-moi, viens m'aider. Non, mais elle a réussi à la capturer. Mais il y en a vraiment. En dessous de sa cape là. Comment c'est possible? Je sais pas. Il faut qu'elle les capture tous comme ça, qu'elle les mette dehors. Mais oui, qu'elle les mette dehors. Je l'ai mis dans l'armoire. Ah, c'est bon, il est plus là. Viens, on va voir. Allez, viens. Dans la chambre, dans ma chambre, parce que dans ma chambre, sinon dans je peux pas savoir d'un. Lily Rose, vite. Il faut voir s'il y en a un. Je vous suis. Allez, c'est parti. T'as bien pris ta cape. Et t'as vu la sorcière, il a neigé. Hein. Je sais pas si t'as déjà vu de la neige. Ah, j'avais pas vu. Ah bah si t'as déjà vu de la neige, vu ton âge. Allez. Regardez. Vite. Elle est blanche ici, elle a tenu, c'est incroyable. Vite, allez, dépêche-toi. Oh. J'espère qu'il est encore là, qu'il s'est pas échappé ailleurs. Ouais. Alors, tu l'as vu où? Ici, là. Bon, apparemment, la sorcière, j'espère qu'elle ne va pas devoir monter. Je l'ai vu là. Oh là, il s'agite. Ah, il s'agite, c'est bon. Alors, il est où? C'est-à-dire qu'il y en a un. C'est bon, il est là. Il est là. Oh, il a l'air difficile, celui-là. C'est lui que j'ai vu, alors. Aidez-moi, tire-moi, Lily Rose, tire-moi. Tire la sorcière, vite, faut le sortir de moi. Sors. Sors de la chambre, vite. Tapez la caméra, là. Allez. Dehors. Sors. Vite, échappe. C'est bon. On a eu chaud. Ah ouais, purée. Bon, les amis, on va virer tous les fantômes comme ça. Oui. À mon avis, la sorcière, elle va garder son accessoire là. Oula. Fermé. C'est fermé à clé. À mon avis, la sorcière, elle va garder son petit accessoire. Oui, très pratique. Parce qu'on va s'en servir certainement dans d'autres vidéos. Allez, il faut les mettre dehors. Allez, dehors. On espère que cette chasse aux fantômes vous a plu. Franchement, elle était originale parce que là, franchement, avec ce nouvel accessoire, c'est beaucoup plus efficace. On espère qu'ils vont tous s'enfuir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et cliquez sur une vidéo qui apparaît juste là. Ciao. Oui.